Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation des box du mois d'août. Là j'en suis à la Big Bait, une box très sympatoche même si c'est pas vraiment la saison, mais ça va vous permettre de faire votre petit stock pour les pêches hivernales ou pour septembre-octobre qui arrivent à très grands pas, là où le Big Bait va peut-être être intéressant suivant les milieux où vous pêchez. Vraiment des super leurres à l'intérieur, donc on va commencer par le premier qui n'est autre que le YOLO Swim Chat de chez Quantum. Le mois dernier déjà vous avez deux produits de chez Quantum et on a continué parce que franchement les produits sont très jolis. Donc c'est un shad prémonté avec le petit œil à l'avant, le plombage sur la tête, le trip prémonté en dessous, et petite particularité très sympathique qu'on a vu tout à l'heure, qu'on ne s'était pas aperçu au moment de la commande, c'est qu'en fait vous avez un œillet aussi sur le dessus, qui va vous permettre par exemple si vous pêchez dans des herbiers ou dans des endroits vraiment très très chaloux, par exemple si vous pêchez dans je sais pas, 20, 30 cm d'eau, 50 cm d'eau, bah en fait votre triple, vous prenez une pince à anneau brisé, ou même avec les doigts, c'est quand même un anneau brisé qui est assez gros, et vous l'enlevez et vous le mettez sur le dos, vous le piquez sur le dos, et l'avantage c'est que vous allez pouvoir passer dans les herbiers, dans les zones chaloues, sans trop vous accrocher. Au niveau du profil du leurre, je sais pas si vous allez le voir, et je trouve qu'il a vraiment une forme super sympa. Une grosse tête bien dodue et ensuite il s'allonge et il vient tout finote à la fin, c'est bien souple. Pour la nage, vous allez le voir, ça nage vraiment tout seul. Le coloris, c'est une sorte de coloris roach, donc on va dire un peu le basique, voilà, une sorte de poisson blanc qu'on trouve un petit peu partout, qui devrait logiquement attirer nos amis les brochets. Le deuxième produit, bon celui-là je pense que c'est quand même la petite star de la box Big Bait du mois d'août, c'est le Mix the Peak de chez Westin, Max the Pike, donc là c'est la version 20 cm. Donc particularité, vous avez une tête dure, un corps souple, c'est interchangeable, après il me semble que vous pouvez racheter l'un ou l'autre, si je ne dis pas de bêtises, à l'unité. Donc produit, je pense, c'est quasiment le best-seller de chez Westin, qui a pris, surtout dans les pays nordiques, je pense, des milliers de brochets. Là en plus un coloris, une sorte de brown pike, je pense que ça va s'appeler, vraiment un pike mais sombre, qui est juste magnifique, c'est vraiment très joli, ça nage super bien. C'est un swim bait, bien évidemment, mais voilà, je pense que vous allez kiffer ce produit-là, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, nous, on a vraiment apprécié vous mettre ce type de produit-là dans la box. Le troisième produit, bah, on continue, vous savez que Westin, c'est une marque qu'on apprécie énormément, bah, tout simplement parce qu'ils font des produits de fou, avec toujours des beaux coloris, un bon rapport qualité-prix, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire chez eux. Donc là, c'est le Platypus en 16 cm, donc une sorte de crankbait, vous avez deux anneaux d'accroche à l'avant. Le premier anneau si vous voulez aller plus profondément, le deuxième anneau si vous voulez aller moins profondément. Le coloris, il n'y a pas grand chose à dire, là c'est un coloris perche qui est juste vraiment très 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 joli. C'est super bien fait. C'est sinking, ça coule relativement rapidement, donc il faut faire attention quand même quand vous le laissez couler, ça va quand même assez vite sur le fond. Sur le brochet, ça devrait vraiment être redoutable. C'est une bonne maracasse, donc ça attire quand même les poissons de loin. On en a fini pour la première partie de la box Big Bait, on se retrouve directement au bord de l'eau pour la partie animation. Deuxième partie de la box Big Bait, on commence avec le premier produit, YOLO Swim Chat de chez Quantum. Donc un joli chat mais avec un gros profil qui est vraiment trapu, je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. La box Big Bait, généralement, c'est pas des produits très compliqués à animer. Alors, l'animation, ça va être tout bête. Hein. Du cranking, là c'est vraiment à l'heure. L'avantage, c'est qu'il nage même à faible vitesse celui-là. C'est ça qui est cool, c'est pas tous les chats, il y a quand même des chats où il faut leur mettre la pression, on va dire, en gros. Lui, même avec une vitesse relativement faible, le leurre nage vraiment bien, là d'ailleurs moi je le vois arriver. Par contre voilà, c'est un leurre qui nage pas très profond, donc il ira plutôt bien pour passer par exemple au-dessus des herbiers dans les zones chalots. Et sinon, si vous voulez qu'il nage plus profondément, bah tout simplement, va falloir en fait le plomber, mettre un petit plomb en dessous, mettre un plomb qui va se clipser en dessous. C'est ça qui va vous permettre de descendre plus profondément dans la couche d'eau, et sinon quand vous lancez aussi, attendre un petit peu, le laisser descendre gentiment dans la couche d'eau avant d'entamer votre animation. Mais voilà, vous pouvez vraiment aller tout doucement avec lui, la caudale va se mettre en animation assez rapidement. C'était le premier produit de chez Quantum, YOLO Swim Chat, on passe sur le deuxième. Deuxième produit, je pense que c'est simplement le plus connu, en tout cas l'un des best-sellers de chez Westin, le My The Peak. Donc un swimbait, particularité, une tête dure, un corps souple. Au niveau de l'animation, donc là on va vraiment pouvoir un petit peu plus varier. Là il y a quand même moyen de s'amuser un petit peu plus qu'avec le produit précédent. C'est vraiment un produit que vous allez pouvoir animer de plusieurs façons. Donc après, de manière, ça reste du big bait. Hein. Le cranking de base, ça marche très bien. Mais là l'avantage c'est que vous allez pouvoir lui mettre des tirer, en fait ça va le faire des fois se désaxer, des fois il va faire des petits mouvements un petit peu bizarres, des pauses et hop, vous remettez une ou deux petites tirées, une pause, une ou deux petites tirées, vous pouvez les faire canne haute, canne basse, hein. Ça peu importe, et sinon vous pouvez enchaîner directement sur du cranking aussi,
ça marche très bien. Mais voilà, c'est vraiment un leurre que vous allez pouvoir animer celui-là. Celui d'avant vous pouvez aussi, mais là vraiment à l'animation, le leurre va se désaxer, va faire des petits mouvements un petit peu bizarres qui vont imiter, bah, toujours pareil, un poisson un petit peu fatigué, un poisson qui sait pas trop ce qu'il fait. Westin Max The Pike, une référence, là en plus dans un coloris qui est magnifique, une sorte de coloris broché, mais un petit peu foncé, je pense à un broché suédois ou finlandais. Mais voilà, vraiment produit sympatoche, on passe directement sur le dernier produit. Dernier produit, toujours de chez Westin, pareil, je pense un produit très connu de chez eux, le Platypus. En gros, c'est une sorte de crankbait allongé, donc c'est vraiment pareil, à mi-chemin entre un jerk et un crank, mais ça s'anime comme un crankbait. Pareil, bon, après, au niveau du ciblage des poissons, hein, ça va cibler principalement le brochet, mais vous pouvez tout prendre avec. Donc, je vous ai dit, hop, c'est une sorte de crankbait. Donc, on va pouvoir tout simplement faire du cranking avec, ça se lance bien. Ça, c'est le premier avantage. Donc, vous pouvez cranker avec, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pareil, faites des pauses et vous pouvez l'animer, mettre des tirées dedans. Des petites tirées tout en animant. Des pauses, du cranking, voilà, vraiment les animations un peu typées crankbait, hein, tout simplement. C'est vraiment des animations qui vont bien passer avec ça. Ça tire pas trop dans la canne, ça c'est cool, et ça se déhanche, c'est incroyable. Ça par contre, ça a vraiment une nage. Le leurre fait vraiment des déhanchés, on voit les flancs briller à 20 mètres. Bon, là peut-être pas, parce que l'eau est un peu sale, hein, mais vous m'avez compris, hein, c'était exagéré. Mais ça nage vraiment super bien, donc n'hésitez pas, voilà, à lui mettre des fois des gros shoots, ça va le faire accélérer d'un coup, il va s'arrêter. Hop, vous remettez un gros shoot. Et ainsi de suite. Donc c'était le dernier produit de la box Big Bait, le Platypus. Une box Big Bait très sympa, il n'y avait que 3 produits, mais vous aviez 3 produits, je pense, très sympa, avec 2 références de chez Westin. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Si vous avez fait des poissons avec, vous pouvez nous envoyer les photos par mail, par Insta, par Facebook, on se fera un plaisir de les reposter. Moi, je vais directement enchaîner sur la dernière vidéo de la journée. Je vous invite de toute manière à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines box. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.